Hello, bienvenue à tous. Donc, n'hésite pas à commenter, à partager. Donc, comme d'habitude, donc, Harry Potter. Donc, j'ai avancé l'émission, tout ça. Qui sera le premier à tomber de son balai, vous pensez? Attrapez tous un balai! Que l'on puisse commencer! Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion.
Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés, ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels, comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites « debout » d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout ! Merci. Bien, c'est à vous. Debout ! Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Il va falloir que je m'habitue. Je veux les revoir en un seul morceau. Ah, je crois que je commence à comprendre. Très bon équilibre! Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue! Bonjour! Belle journée pour voler! Ça n'a pas été trop dur? Ah, le vieux hangar à bateau! Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année! Et faire une petite pause.
Notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ah. Génial. C'est plutôt amusant. Bravo ! Hé, je peux te parler ? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'un griffon d'or comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe ? Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poupsouffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe ? Célèbre pont! Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout! Regarde-moi ça! Et la volière! Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Descends ici.
Asseyez-vous, tous les deux. Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Peut-être, mais on a eu des ennuis et Kogawa pourrait nous en vouloir. C'est pas de chance. Je pensais pas qu'elle nous verrait. Mais peu importe. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wicks chez Beauballet à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme. À l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix.
vous revoir. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose. Très bien. Il est toujours bon de renouveler ses stocks. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Bonjour, Monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison ? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions, mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirais avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennui. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Tifindo, le sortilège de découpe. Il est généralement utilisé pour couper un objet, mais il peut également être une arme redoutable. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Action. Propulsion. Leviosa. Action. Sendo. Protego. Stupéfix.
Incendio. Action. Protego. Leviosa. Incendio. Revelio. Leviosa. Action. Incendio. Action. Leviosa. Action. Incendio. Incendio. S'en va, Protego. Stupéfix. Incendio. Je vais venger ta mort. Incendio. C'est entièrement la faute de Ranrock.
Leviosa. Action. Leviosa. Action. Leviosa, action. Leviosa, action. Leviosa, action. Leviosa, action.
Bientôt. Action. Levioso. Action. Levioso. Action. Levioso. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Protego. Stupéfie. Ugh. Quel dommage d'être aussi répugnant. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Préparons. Levioso. Action. Révélio. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Revelio.
Revelio. Toujours en retard, ce pipin. Revelio. Aimez mon désir. Faites seulement attention à vos objets de valeur. Revelio. Revelio. Devrait déjà être là. Madame La Wang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discret. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple ? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la.
Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Que proposez-vous à la vente ? C'est parfait. Merci. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? J'aimerais vous poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Que souhaitez-vous savoir ? Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur Pont Désir ? Vous avez sûrement entendu parler du troll qui, malheureusement, s'est installé dans la région. Il terrorise les gens et dépouille tous ceux qui croisent son chemin. Il serait donc sage de rester vigilant lorsque vous voyagez près de Pont Désir. Croyez-moi, vous ne voudriez pas vous retrouver face à face avec ce monstre. Comment êtes-vous arrivé à Pont Désir ? Je ne suis ici que depuis quelques années. Avant, je faisais mon commerce en voyageant. C'était une vie épuisante, mais cela ne m'a jamais dérangé. Un jour, mes voyages m'ont amené à Pont Désir. Je suis tombée sous le charme. Mes voyages ont continué, mais mon cœur est resté ici. Alors j'ai fini par revenir et ouvrir cette boutique. Et je n'ai pas bougé depuis. Je finirai mes jours ici, à Pont Désir, si j'ai mon mot à dire. Ce qui est le cas, j'imagine. Que proposez-vous à la vente ? Des potions. Je les prépare moi-même, en n'utilisant que les meilleurs ingrédients. Et je vous assure que vous ne trouverez leur équivalent nulle part ailleurs, pas même après Olar. Que proposez-vous à la vente ? Très bon choix. J'aurais opté pour la même chose. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir.
Revelio. C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Que proposez-vous à la vente ? Très bon choix. J'aurais opté pour la même chose. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. Ah, une nouvelle tête. Fantastique. Bonjour. Monsieur Weeks, c'est ça ? Albi Weeks, à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes commerciales ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol, par exemple, connus pour leurs manches en frêne de grande qualité. Les tresses d'if sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette d'if. Ensuite, vous avez le braise filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. Vous avez du choix.
Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Cet article est d'excellente qualité. Cet article est d'excellente qualité. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? Depuis quand êtes-vous passionné par les balais ? Depuis que j'ai assisté à mon premier match de Quidditch, en voyant les joueurs manœuvrer comme ils le faisaient. Oh, certaines personnes continuent de douter de moi et de mes idées. J'espère que cela ne vous dissuadera pas de m'aider. Je sais que je tiens quelque chose. Pourquoi avez-vous besoin que je vous fasse un rapport sur ce balai ? J'ai bien tenté de demander à Imelda de m'aider, mais elle a des habitudes de vol parfois bizarres qui rendent la collaboration difficile. J'ai besoin d'une personne douée et dépourvue de mauvaises habitudes. D'après Everett, votre camarade de classe, vous avez un talent inné sur un balai. Il est toujours ici à examiner les nouveaux modèles. Il est presque aussi passionné de balai que moi. Si votre talent vous a réellement permis de faire un meilleur temps qu'Imelda, votre aide pour tester le balai me sera plus que précieuse. On dirait que vous avez suivi le cours de Kogawa. En effet, mais je me concentrais bien plus sur les éléments techniques du balai que sur l'art de voler, et cela la rendait folle. Elle trouve que je suis parfaitement à ma place chez Beauballet. Aucun de nous deux ne me voyait frapper des cognards pour les canons de Chaudelet ou le club de Flakmar. Et j'éprouve une certaine satisfaction à donner tort aux personnes négatives qui me trouvent trop jeune pour gérer cette boutique. Avec votre aide, je pourrai continuer à prouver que je suis le meilleur fournisseur d'articles de sport pour sorciers de la région. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Ah, on ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wicks. Rébellion.
Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet, et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont donc ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite ? Oh, juste ciel, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées. Oh ! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où il mène. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne... Les voilà. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardze aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à bras. Je devrais aller voir. Ces ombres me jouent des tours. Revelio. Action. Miss Willardze ne va pas croire ce que j'ai trouvé en suivant les papillons. Revelio. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Action.
Action. Les gens parlent encore de votre combat contre ce troll sur la place. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos de Papillon. Bonjour, Miss Willardsey. Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? En effet, je les ai suivis dans la forêt, mais il n'y avait rien à voir. Je regrette. Oh, je vois. Oh, je vous remercie quand même d'avoir essayé. C'était très courageux de votre part. Bon, merci. Prenez bien soin de vous. Salut. Comment ça va? Bon, quoi de neuf? Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Oui, ça j'avoue par contre. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Dernier poste. N'hésite pas à commenter, à partager.
C'est un plaisir de vous revoir. Pareillement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Que proposez-vous à la vente? Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. Incendio! Les vieux sont... Action! Revelio. Dernière fois que j'oublie de noter l'une de mes idées de potion. Bon, elle la suivre tout à l'heure. Mais non, elle passe pas. Regarde, tour le.